Bonjour à tous et à toutes, nouvelle petite vidéo de action-réaction. Donc j'étais au magasin hier après le tataf, comme j'avais besoin de quelques produits pour la maison, hein, des trucs qu'on va automatiquement on les acheter pour s'en servir, on n'a pas le choix et qu'on a besoin. Bon, la dernière fois, je vous ai dit comme quoi que de temps en temps, que j'en achèterais, de temps à autre. Donc là, ça fait le deuxième. Donc je vais pouvoir remplir si je peux, si ça rentre, normalement ça devrait rentrer, pour pouvoir enlever les anciens trucs et mettre que cela. Donc il fait toujours 1 litre 8. Donc je ne sais pas trop si vous voyez, mais ils font 1 litre 8. Normalement, tu en as des plus grands. Faut que j'en trouve un pour mettre les spaghettis. J'ai déjà une boîte, mais c'est en cas si j'ai un paquet en plus. Comme ça fera des réserves. Donc, j'ai du plastique assez dur. Ils sont hermétiques. Là, il y a le caoutchouc tout autour. Et c'est très bien. Franchement, en plus, ça doit garder la. Je pense que ça doit garder pour l'humidité et puis même pour le produit. Ça doit le conserver un peu plus longtemps. En tout cas, je vois pas mal de personnes qui en prennent et il n'y a pas de retour, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Donc ça, je ne sais plus trop. De toute façon, je pense que je vous dirai les prix après. Mais en tout cas, voilà, ça fera le deuxième. Et on verra le prochain pour une prochaine fois. Les sacs poubelles médium de la marque Dunhill, vous savez, c'est les poubelles roses, enfin violet, à la lavande, ils sont très très bien, donc je vous les conseille si vous voulez les acheter. Je vous manipule pas pour les acheter. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais en tout cas, moi, ils sont très très bien. Moi, je m'en prends assez souvent, et même sur la chaîne de Paula Latina, elle en prend aussi. Et comme moi, elle dit souvent qu'ils sont très très bien. Il y a une très 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 bonne odeur. Et nous, on s'en sert beaucoup pour la litière des chats. Comme Maus, il a un pipi assez hyper costaud. Donc comme ça, quand on met dedans, bah, ça ferme bien. Et ça sent pas. Ça sent plus à lavande qu'autre chose. J'ai repris des lingettes. Il y a 82 dedans. Au citron, ils font 16 sur 20 cm. C'est la marque Spargo. Voilà, en tout cas, elles sont très très bien. Ça aussi, j'ai rien à dire, franchement. Je vous les conseille aussi. Donc, si vous voulez, voilà. Bon, bien sûr, il y en a plein. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a, je sais pas combien de paquets de trucs, mais bon, voilà. En tout cas, nous, on prend cela à chaque action. Ils sont très 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 bien. J'ai pris des pailles de fer de la marque Spargo, aussi pareil, donc il y en a trois dedans, ils sont très bien. Franchement, je préfère ceux-là que les autres qu'on trouve souvent au marché. C'est des trucs qui sont beaucoup plus gros. Ils sont bien, mais moi je préfère ceux-là. Franchement, ça c'est la vraie paille de fer. Et bah, ils font leur job. D'ailleurs, je pense que je crois même que je vais en prendre un pour mon travail. Parce que ça me sert des fois pour des trucs qui sont assez compliqués. C'est quand même un peu plus costaud que les trucs verts, vous savez, que les merdes, comment on appelle ça? Enfin, peu importe, on s'en fout. En tout cas, moi, j'en prendrai un pour mon boulot et le reste ici pour la maison. Toujours dans les sacs poubelles toujours de la marque Dunhill. Donc il n'y avait plus les 60, parce que d'habitude il y a les 60, mais là apparemment il n'y avait que des 50, mais il n'y avait que ça. Monsieur bi, bah quand j'en avais presque plus, j'en avais besoin, j'ai pris un paquet, il y en a 10 dedans, et bah, ça fait leur job. J'ai pris un bidule chouette comme ça, un truc de parfum. À la vanille, ça sent très très bon. Ouais, ils sont super bons, j'aime bien. Ça fait style un peu odeur de. Il y a un bonbon aussi qui sent comme ça.
Donc ça, c'est un truc vraiment efficace aussi. Bon, pas 100%, mais bon. Oui, Mout. Mais ça vaut le coup. Tu sais que nous, dans les toilettes, je les ai laissées ouvertes pour pouvoir finir le... C'est souvent quand ça se termine, quand ça fond, il te reste toujours un petit peu comme ça. Comme je dis souvent, c'est soit pour les utiliser jusqu'à temps que ça se termine, jusqu'à même l'odeur, il n'y a plus du tout d'odeur. Soit vous les laissez dans les toilettes ou dans votre linge. J'avais déjà dit plus d'une fois, donc pour le dire pour les nouveaux, vous pouvez laisser dans le linge, laisser ouvert, pas mettre sur le linge, mais essayer de trouver une petite place et les mettre dedans, dessus, sur le creux. Et vous aurez un peu l'odeur du parfum, du truc, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, ça fait un bon petit moment que j'en prends. Ça coûte vraiment, vraiment pas de cher. Et moi, j'aime bien. Voilà. Donc, j'en ai pris qu'un seul. J'ai pris une bougie pour Cécile, parce que vous savez bien qu'elle collectionne un peu les bougies, elle aime bien. Donc, j'ai pris la marque Candra. Candra, et c'est l'odeur rose, et ça sent tout très bien sûr une mèche, et ça sent très très bien la rose. Donc, pour ceux qui sont fadas de bougies, et ceux qui connaissent pas le magasin Action, mais bon, ça m'étonnerait que beaucoup de personnes ne connaissent pas le magasin d'Action. En tout cas, vous avez énormément de bougies, du plus gros jusqu'au tout petit, et franchement, ils sont. Certaines bougies sont pas trop chères, donc voilà, c'est pas mal. J'ai repris une serviette comme ça. Enfin, une serviette, c'est plus un torchon qu'autre chose. Un petit comme ça. Donc c'est très bien, la rigueur, même pour quand vous prenez une douche, pour éviter de prendre une grande serviette pour vous essuyer les pieds. Enfin, je pense que la première chose que vous faites, bah, c'est s'essuyer les pieds, hein, avant de mouiller un petit peu partout. Moi le premier. Donc moi souvent c'est ce qu'il y a à faire, prendre une petite serviette comme ça, à l'accroche, pour juste simplement que pour s'essuyer les pieds avec. Voilà. Après vous pouvez vous en servir juste pour vous essuyer les mains, ou même pour essuyer la vaisselle, c'est un peu éponge, et ça essuie très très bien les verres, et puis plutôt le reste de la vaisselle, mais sinon très très bien. Sinon, bah, moi je m'en sers aussi des fois, je le prends assez souvent pour mettre mes couverts. Pour mettre mes couverts, comme ça fait une serviette pour moi pour m'essuyer les bouches et mettre mes couverts dedans. Bien sûr, je les lave au fur et à mesure quand je termine. Je ne remets pas les couverts sales dans la serviette. Je nettoie à chaque utilisation. Hein, ça sert à ça, du savon et des lavabos. Ça sert à ça. Et franchement, ils sont bien. Franchement, ils sont bien, même au niveau du lavage et tout. Ça, il reste toujours le même truc. Et franchement, très très bien. Et c'est pareil, ils sont pas chers du tout. En plus, je crois qu'ils étaient en promo, ceux-là. Oui, voilà, c'est ça, ils étaient en promo. C'est pour ça que j'en ai profité. Je voulais en prendre deux, puis j'ai dit, bah non, je vais pas être trop gourmand. Je vais en prendre qu'un seul, voilà, et ça ira très bien, et on verra ça une prochaine fois. Bon, bien sûr, ils ne seront plus en promo, bien sûr, mais même sans promo, ils sont pas, c'est pas un truc qui va coûter 10 euros ou 20 euros. J'ai pris une petite nouveauté du fameux PEC. Cette fois-ci, ils ont sorti le citron, enfin, odeur citron et fraîcheur, fruit de la passion. Donc c'est tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Donc on va le tester. Voilà, donc ouais, ça reste toujours du produit pour la vaisselle, hein, mais ouais, on sent un petit peu plus la fruit de la passion que le citron. Le citron, on sent très léger, on le sent, mais très très léger. Mais c'est les fruits de passion qui rattrapent l'odeur du citron. Mais bon, voilà, ça reste toujours un produit pour la vaisselle. Donc on va le tester. Je me rappelais plus qui vendait de l'eau de Javel.
Donc, bien sûr, beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces. Donc, c'est Power Javel plus puissant, des graisses anti-moisissure, fraîcheur eucalyptus. Et il fait 1,5 litre. Mais je crois que la dernière fois, il y avait cette bouteille-là, puis une bouteille rose ou blanc, je sais plus trop. Donc, j'ai pris l'eau de Javel, quoi, tue 100% des microbes, virus et bactéries. Donc, voilà. Comme nous, à Aldi, ben, il n'y a pas de bouteille de Javel, c'est que, vous savez, en petite capsule. Donc, voilou. Ensuite, vous savez que je suis un fada de sauce. Donc, j'ai repris ma sauce à l'oignon. Elle est très très bonne. Donc, pareil, si vous voulez, je vous la conseille. Je sais, il y en a beaucoup quand je vois dans les autres vidéos de YouTube. J'en vois beaucoup qu'ils en prennent. Que ce soit ça là ou la, même la mayonnaise, elle est très 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 bonne. Et franchement, c'est une tuerie. Et je crois, elle est pas chère, je crois. Je pense qu'elle est à 78 centimes, si je me trompe pas. Je peux me tromper, mais je crois que c'est le prix. Donc voilà. Donc j'en ai pris une. J'ai repris mes fameux tortina au chocolat, c'est quelque chose, ceux que je préfère, donc c'est la marque italienne. Donc c'est ceux-là. Ils sont très très bons, moi j'aime bien. Donc bien sûr, hein, je ne les mange pas en une journée. J'en mange qu'un seul parce que ça reste quand même assez écœurant si tu en manges de trop. Donc moi, quand j'en mange un le matin. Et après, bah, le reste, bah, je mange des petits gâteaux à droite à gauche. Et sinon, ils sont très très bons. Je préfère que ceux-là, je préfère plus ceux-là que ceux qui sont nappage que cacao. Je les trouve un peu pâteux. J'avais déjà essayé parce qu'un jour je m'étais trompé. Non, ils sont bons, mais je les ai trouvés un petit peu pâteux parce que voilà, j'ai plus l'habitude de ceux-là que des autres. Donc il y en a 10 dedans pour 350 grammes. Voilà. Marie, lui il est encore chez dans ce couloir. Comme d'habitude. Et j'ai pris un paquet pour Maoust et Blaco de la marque Whiskas et c'est au poisson. Donc ça j'en prends. Ça j'aime bien aussi les Whiskas. Même s'ils ont plus une préférence pour le Félix. Mais ils aiment bien le Whiskas. Donc ça c'est pour eux. Et ça c'est notre ami de tous les jours et de tout le monde, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui achètent ce sopalin XL. Et franchement, il absorbe très, très bien n'importe quoi, que ce soit un œuf, de l'eau, de la sauce ou du sirop. Franchement, il est nickel, 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 chrome. J'entends que du bien sur ce produit-là. Donc, si vous connaissez pas Action, allez faire un tour et je vous assure, prenez-le, il est très 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 bien. Après, faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez pas le prendre, vous le prenez pas. Hein. Je vous lance pas un pouvoir en disant allez-y, prenez-le, prenez-le, prenez-le. Non. Vous faites ce que vous voulez, les enfants. Ensuite. Ah oui, parce que maintenant il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que après on va simuler des choses catastrophiques. Alors, Action, j'en ai eu pour 12 500 euros, hein, n'est-ce pas? Alors, le Dunhill sac, je pense que ça devait être les noirs. 89 centimes. Mes gâteaux, ils sont 1,48€. Le Whiskas, 1,19€. La bouteille de Javel, 2,19€. La boisson énergétique que j'ai bu entre-temps, 39 centimes. Les éponges à récurer, 69 centimes. Ma sauce. Ah non, toi, je me suis trompé. 1,33€. Non, 1,39€.
Je pensais qu'ils étaient beaucoup moins chers. C'est bizarre parce qu'avant ils étaient moins chers, non? Enfin, peu importe. Les lingettes, 79 centimes. Le gel diffuseur, 82 centimes. La boîte en plastique, 3,69 €. Voilà, c'est lui qui est légèrement un petit peu plus cher. L'essuie-tout. Ah, ils ont descendu. 1,59 €. Et pourtant, personnellement, il est à 1,78 €. Et même sur la pancarte, ça reste toujours 1,78 €. Et j'ai remarqué que quand il passe au truc, et ben ça fait plusieurs fois qu'il est à 1,59 €. Donc je pense que c'est quand il y a eu la promo, ils ont dû laisser au niveau de la promo, je sais pas. En tout cas, au lieu de 1,78 €, il est à 1 €. Moi, je l'ai à 1,59 €. Pourtant, mon beau-frère, quand j'ai vu la vidéo de Tires Family, je sais qu'il en a pris. Et il a bien précisé le prix, hein, que lui, il avait payé 1,78 €. Et moi, en fin de compte, je paye 1,59 €. Va comprendre, Charles. Donc, le PEC, 1,24 € parce qu'il était en promotion. La bougie parfumée, 1,29 €. Donc, vous voyez, hein, elle est vraiment pas chère. Hein. Le sac du mille, je pense, oui, parfum, c'est le rose, là, la lavande, 1,59 €. Et 1,59 €. Pourtant, je l'ai eu dans le. Pourtant, je l'ai eu dans les promos, celui-là. Et le torchon, 1,12 €. Donc, vous voyez, le torchon, il coûte vraiment pas cher. Et j'en ai eu pour un total de 20 €. Donc, Wally, Wallo. Donc, vous voyez, hein, c'est que vraiment des produits nécessités. Du PEC pour la vaisselle, des sacs pour mettre dans le machin. De l'eau de Javel, ça, on est obligé de s'en servir tout le temps. Les lingettes, c'est pareil, on en a besoin tout le temps. Pack de fer, c'est très bien pour quand on fait cramer les casseroles. Quand t'as pas de pack de fer, bah c'est très bien aussi. Ma sauce, on peut dire que bon, j'en avais vraiment pas trop trop besoin, mais bon, comme j'adore les sauces, je l'ai pris. Ça, bien sûr, on va dire qu'on n'a pas trop besoin, mais bon, quand tu vas aux toilettes, t'aimes bien que ça sente bon et non que ça sent la merde. Ainsi que la bougie. Quand les gens fument ou quoi que ce soit, quand on reçoit des amis, que les gens y fument, pour éviter de sortir la cigarette froide. Donc une petite bougie, ça va très bien. Bien sûr, pour les chats, ils sont comme les humains. Hein, et ils sont dans le. Enfin, je ne dis pas qu'ils sont dans l'obligation, mais bon, ils sont comme tout le monde. Ils mangent matin, midi et soir. Et mes gâteaux. Voilà, les gâteaux tout simplement. C'est vrai, j'avais peut-être pas besoin de les prendre. Mais voilà, de temps en temps, un petit gâteau, ça fait pas de mal. Donc voilà, mes amis, voilà pour ce petit cours de action. Donc voilà. Wally, Wallou, un maout, donc. Non, donc, tu n'aimes pas jouer. Et attends, fais un coup de boule. Hop, fais un coup de boule. Tiens. Vas-y, donne à papa. Toi, tu joues même pas. Tu seras jamais un footballeur, toi. Hein, 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 tu seras jamais un footballeur. Wally, Wally. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Donc, si vous aimez cette petite vidéo de action réaction, bah, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche. Et si vous voulez vous abonner, bah, abonnez-vous. Si vous voulez pas, bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je suis pas le seul YouTuber au monde. Puis je dirais bien d'autres trucs, mais bon, j'ai pas envie de gâcher ma vidéo. Bah, je vous dis ciao ciao, au revoir et une prochaine vidéo.
Salut!